À 6 heures. Ouais, Binta. Binta, bienvenue dans la team. On va trinquer à nos futurs projets. Yeah. Allez. Yeah. Singular. Je me permets. Je suis Bakary Sonogo. Et je suis producteur de Binta. C'est un ami qui m'a dit qu'elle allait chanter pour ton anniversaire. Pas de surprise, hein, surprise. Et c'est qui? Ah, il préfère garder l'anonymat. Toujours est-il que Binta est toujours sous contrat avec moi. Et comme on dit, tu peux rien créer. T'inquiète pas pour moi. D'accord. Bah écoutez, je vais vous laisser terminer vos bières. Mais avant de partir, je te souhaite un joyeux anniversaire et tous mes vœux les plus sincères pour ton nouvel album. Tiens, au cas où tu voudrais me joindre. Joyeux anniversaire! T'as signé avec lui? Oui, mais maintenant qu'il sait que t'es intéressé par moi, il va plus me lâcher. Ouais, non, mais ça va aller. Hey, tu sais, le gars, on le paye pour ça. Non, c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon. Harry, ça va? Oh, Dave. T'as lu le contrat? Sim. J'ai lu le contrat, hein. Selon la clause 7.3.2.6-6/, le droit exclusif coûte bien de déterminer la date de sortie de tout album, épisode ou single, relève de la discrétion exclusive du producteur. Et en français, ça donne quoi? Ça veut dire que même si Sango a disparu 3 ans, ça rend pas le contrat caduc. Par conséquent, il reste lié à Binta. Ouais. Donc t'as toujours une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est pas une solution, je me demande, c'est un miracle. Moi, je suis pas magicien. Mais je suis le meilleur avocat de la place. Et c'est pas moi seul qui le dis. Hein. Même mes parents le disent. Mes amis le disent. On peut racheter des droits. Travaille là-dedans. Ok, Harry, prépare-moi une proposition chiffrée pour demain. T'as dit chiffrée? Tu as touché mon point faible. Tu sais qu'après avocat à la retraite, je vais devenir expert comptable. Les chiffres, ça me connaît. Ok, bon travail, Harry. Et bah, ouais, je te paye pour ça. Ouais. Vas-y, Harry, allez, allez. Je suis parti. Oui, t'es parti. Ah, allez, gère-moi ça, Harry, s'il te plaît. Voilà. Et au frangin, qu'est-ce qui va pas? Non, c'est... je sais pas, entre Oumar, Aïcha, Binta et maintenant le Bakary, là. J'ai l'impression que tout ce qu'on fait, c'est... ça rime à rien. Ouais, je sais bien. Mais je suis avec toi. On se lâche pas. Franchement, frérot, je suis désolé par rapport à ce que je t'ai dit sur Nadia hier. Mais au fond, t'as pas tort. Hein. Ouais. Là, j'aurais pas dû quand même, c'était pas cool. Je vois bien que t'aimes toujours Aïcha. Tu vois? Mais depuis qu'elle est là, elle nous pose que des problèmes. Et je suis là pour t'éviter ça. Ouais, mais... elle n'est pas responsable de tout, j'ai ma part de... Quoi qu'il en soit, toi, là, je vois que t'as invité Binta. Tu crois que c'est pour me faire oublier Aïcha? Mais non. Tu mélanges pas travail et plaisir? Mais non. Tu me connais. Binta, elle a du potentiel. Toi, t'es un producteur de talent. Et moi, un grand manager. Tu vois? On va aller loin avec elle. Franchement, merci. Hein. Merci, avec toutes les galères qu'on a eues, merci de me supporter. Ah, t'es comme un frère pour moi. Et cette pépite, c'est l'artiste qu'on cherchait à produire. Alors on va tout faire pour récupérer son contrat. Et bah voilà. J'aime ça. Je retrouve mon gars. Ça, c'est super. T'as vu ça? Ouais. Eye of Tiger. Yes, ouais. Bah, en parlant de ça, là. Ouais. T'as revu Nadia? Arrête. Non, je veux juste savoir, là. Arrête. Parce que là, il y a une odeur de parfum, là. Je crois que tu l'as revu, hein. Il y a une odeur de parfum, je le sens. Viens ici.
Alors attends, je vais juste ouvrir le dossier. Mm-hmm. Tu as les chiffres pour cette semaine? Oui. Voilà. C'est le chiffre d'affaires qu'on a fait cette semaine, ouais. Attends, donne-moi une seconde. Mm. Salut mes gens, ici c'est Singila. Je vois beaucoup de choses qui traînent sur les réseaux, beaucoup de choses qui sont fausses. C'est sûr que vous êtes tous au courant que Aïcha a une place importante dans ma vie, mais notre histoire c'est du passé. Les images ont été sorties de leur contexte, c'est pourquoi je voulais partager avec vous cette vidéo qui montre ce qui s'est réellement passé. J'espère qu'avec ça, vous comprendrez qu'on essaie de vous manipuler. Il est toujours aussi beau gosse ce gars-là. T'as trop de la chance. En plus, c'est moi qui devais faire cette visite. Oui, et c'est moi qui l'ai faite. Et je compte bien profiter. Mais cette façon qu'il a de s'impliquer, de la défendre... Je pense qu'il est toujours amoureux d'elle. Oui, mais plus pour très longtemps. Alors Aïcha, sois forte et sache que je te soutiens dans ces moments difficiles. Vous aussi, faites comme moi, soutenons la petite Aïcha. Je vois que ton frère fonctionne toujours. Elle était bien là à la soirée. Le plan roule comme sur des roulettes. Qu'est-ce que tu veux? Oumar le stackers. Yeah, c'est toi ma rose.